Il me faut admettre que je ne comprends pas la plus simple opération faite à la Bourse de Londres. Je pense que pour un bon million d'aventuriers, il n'y a pas de différence entre jouer dans cette institution nationale et parier au casino de Monte-Carlo. Je suppose que, comme Wall Street, ou bien la Bourse de Paris, ou la Bourse de Milan, il faut la décrire comme un endroit où beaucoup de gens viennent principalement rêver à la fortune des autres. De toute façon, c'est le lieu idéal pour étudier l'effet de l'argent sur la psychologie humaine. Excusez-moi. Hé, Nora Prescott. Simon, oh, quelle merveilleuse surprise, ça. Que venez-vous faire dans ces lieux principalement réservés aux riches? Oh, je me permettrai d'observer. Vous habitez à Londres, maintenant? Non, je suis près de Maidenhead. Je travaille avec Marvin Chase en ce moment. Ah, le Marvin Chase qui est industriel. Oui. J'aimerais le connaître. Eh bien, lui vous connaît. D'ailleurs, qui ne connaît pas le célèbre Simon Templar? Il est absurde que le gouvernement puisse penser que toutes ces mesures pourront enrayer la tendance à l'inflation. Au contraire, elles vont sérieusement affaiblir les grandes entreprises commerciales. Pour nos transactions futures, à mon avis, nous devons... Bureau de M. Chase, oui. Ah oui, Lord Kennington. Je suis parti pour Londres. Oh, je suis navrée, mais j'ai peur que M. Chase soit déjà parti. Oui, oui, je lui dirai. Pas du tout. Au revoir. Alors, où en étais-je? À mon avis, nous devons... Laissez, Thompson. Je vais voir. Oui, Madame Chase. Bonjour, Rosemary. Oh, bonjour, Jim. Entrez. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et comment se porte votre charmante belle-fille? Mais très bien. Elle est à la maison pour cette fin de vacances. Nous n'espérions plus votre venue. L'avez-vous jamais espéré dans cette maison? J'ai aperçu une nouvelle voiture. Oui. C'est agréable, la richesse, n'est-ce pas? Je l'apprécie. C'est très embarrassant, mais je... Mon arrivée vous embarrasse presque toujours. Bon, est-ce que mon frère très vénéré est dans le château? Si vous tenez tant à être son frère, pourquoi ne vous conduisez-vous pas comme tel? Quand vous parlez ainsi, ça me crispe et rend particulièrement furieux, Marvin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais nous sommes très susceptibles ce matin, dites-moi. C'est tout nouveau, ça, hein? Ses craintes en ce qui concerne les émotions du pauvre Marvin. Où est-il? Au bureau? Il doit partir pour Londres dans une minute et il ne veut pas être dérangé. Mais si vous voulez, vous pouvez parler à Bertrand Temblin. Ce n'est pas, j'en ai peur, une question que pourrait régler le soi-disant assistant de Marvin. C'est très personnel. Marvin va me recevoir tout de suite, que cela le dérange ou non, vous m'entendez? Qui était-ce? C'est Jim. Qu'est-ce qu'il vient faire? Je ne sais pas. J'ai essayé de le persuader de te rencontrer, mais il a insisté pour voir Marvin. Oh, c'est probablement sans importance. Tu ne crois pas qu'il suspecte quelque chose? C'est impossible. Jim a un sixième sens pour deviner ces choses-là. Chérie, allons. Tu sais que je t'aime. Je sais, chérie. Non, je préférerais que Jim ne soit pas venu. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir, Marvin? Marvin, est-ce que tu vas m'écouter? Et puis après tout, je suis ton frère. Bien que tu insistes beaucoup pour parler de sentiments fraternels dans cette affaire, je vais me permettre de t'exposer certains faits précis. Tu me volais déjà de l'argent dans mes poches quand tu n'avais que 7 ans. Tu es pathologiquement incapable de garder les mains éloignées de l'argent des autres. Tu as même été en prison pour ça. Et tu n'en es pas encore guéri. Si, je suis guéri. Tu n'as aucune valeur. Tu es incompétent et fondamentalement un escroc. Et ce qui est pire, un faible. Et je déteste la faiblesse. Eh bien, moi, je déteste ton genre de force. Elle est impitoyable et cruelle. Mais elle est honnête. Marvin, je fais ce travail depuis 10 ans. J'en ai besoin. Je vais acheter cette compagnie dans moins de 5 semaines. Le jour où je la dirigerai, je te renverrai. Tu me détestes, n'est-ce pas? Pas du tout. Je n'ai jamais eu le moindre ressentiment envers toi. Ou envers quelqu'un d'autre? Oui, peut-être. À l'exception d'Hélène.
Eh bien, tout ce que je peux dire, mon cher frère, c'est que Dieu aide cette pauvre enfant, parce qu'avec un père comme toi... Papa. Merci, mon petit. Tu n'oublieras pas mes chaussures? Oh, jamais. Merci, Thompson. Vous avez tout pris, Tamblyn? Oui, monsieur. Au revoir, Madame Chase. Au revoir. Ah oui, je l'oubliais. Faites bon voyage. Merci, au revoir. Au revoir, Monsieur Chase. Sois sage, mon petit. J'essaierai, papa. Au revoir, chérie. Au revoir, Marvin. Je vais à Londres, pas en Australie. Je te téléphonerai demain matin. Vous allez bien, Rosemary? Oui, ça va bien. Je me fais du mauvais sang pour ton père parce qu'il conduit si imprudemment. Mais papa est un merveilleux conducteur. Oui, bien sûr. Laisse-moi maintenant, j'ai beaucoup de lettres à écrire. Je vais d'abord vous chercher du café. Monsieur Chase, vous voulez bien aller moins vite, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe, Tamblyn? Vous êtes nerveux? Non, c'est parce que je n'aime pas aller vite en voiture sur les petites routes de campagne, c'est tout. Ce n'est pas la seule raison qui vous rend nerveux, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Je ne suis pas complètement aveugle. Trop vite, monsieur le Chaise! Tous ces riches se croient vraiment tout permis. Comme si la terre leur appartenait. Un millionnaire échappe de peu à la mort. Son assistant meurt brûlé vif. Mademoiselle, je voudrais le numéro de M. Marvin Chase, c'est à Hurley. Oui, c'est ça, Berkshire. Bien, merci. Bureau de M. Chase. Pourrais-je parler à Mademoiselle Prescott? Mais elle-même à l'appareil? Nora, c'est Simon. Simon Templer. Simon! Nora, je viens juste d'apprendre la nouvelle. C'est terrible. Oh, c'est tout simplement horrible. Il a été terriblement brûlé en voulant sauver la vie de M. Tamblyn. Comment est-ce arrivé? Exactement comme les journaux le rapportent. Vous êtes certaine que c'est un accident? Pourquoi? Pour rien, j'ai toujours un petit doute quand un millionnaire parvient à échapper de justesse à la mort, c'est tout. Très bien. Nora, quand vous viendrez à Londres, téléphonez-moi. Bien. Au revoir. C'est terrible de voir papa comme ça. Docteur Quintus, est-ce qu'il souffre beaucoup? Pas maintenant, mademoiselle Chase. Est-ce qu'il est hors de danger? Complètement. Je crois qu'il faudrait mieux le laisser seul maintenant. Il est sous l'influence des sédatifs et il dormira probablement toute la nuit. Oh, madame Chase, est-ce que je peux faire quelque chose? N'importe quoi? Je ne crois pas, non. Remplacez-le le mieux possible. Ça ne va pas être facile sans M. Tamblyn, mais essayez. Mm-hmm. Allons. Bonne nuit, Nora. Bonne nuit, Madame Chase.
Est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je savais que vous viendriez me voir. Je suis venu le plus vite que j'ai pu. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Pas m'inquiéter, après tout, c'est quand même mon frère. C'est ce que vous dites. Qu'est-ce que vous voulez cette fois? Mais simplement le féliciter pour ce qu'il a fait. J'ai appris qu'il n'aurait eu aucune blessure s'il n'avait essayé de sauver Tamlin. Eh bien, est-ce que je peux le voir pour lui présenter mes respects? Vous ne comprenez pas qu'il est vraiment blessé. Il a été terriblement brûlé. Rosemary, je suis désolé. Je ne savais pas que c'était si sérieux. Eh bien, vous le savez. Merci, Thompson. Comment allez-vous, Monsieur Chase? Je vous ai déjà dit, Thompson, qu'il fallait éviter de parler à Monsieur Chase. Pour Mademoiselle Prescott? Un mot pour Mademoiselle Prescott. Oui, docteur. Monsieur Creighton, je ne fais que ce qu'il m'a ordonné de faire. Oui, il vend ses parts de la Field Petroleum parce que les frais d'équipement ne sont pas couverts par les bénéfices. Oh, non, il ne reçoit pas de visiteurs. Oui. Oui, je vous le ferai savoir. Oui, mais en même temps, vous vendrez ses parts de la compagnie de textile au prix courant, le plus vite possible. Oui. Merci, Monsieur Creighton. Au revoir. De la part de Monsieur Chase, mademoiselle. Est-ce que vous l'avez vu cette fois? Oui, mademoiselle, à l'instant. Oh, je me fais du mauvais sang. Je ne crois pas que Monsieur Chase soit... Soit quoi, mademoiselle? Oh, rien du tout, Thompson. Ça va, je vous remercie. Bien, mademoiselle. Quoi? Oh! Tout ce que je souhaite, c'est que Marvin aille mieux. Et c'est impossible si tout le monde continue à l'importuner. Bien sûr, mais je ne le verrai que deux minutes. Pourquoi? Pour lui parler de l'achat de Brooke Dewhurst, hein? C'est tout ce qui vous inquiète. Votre travail. Entrez. Oh, Madame Chase, il vient juste de me faire porter ce mot. Eh bien? Il me demande de vendre les Brooke Dewhurst à la compagnie qui nous les a disputés et à un prix nettement inférieur à sa valeur. Faites-moi voir ça. Eh bien, moi et M. Tamblyn avons passé des mois à acheter toutes ces actions. Je ne comprends vraiment pas cette brusque volte-face. Pourquoi ne faites-vous pas ce qu'il vous dit sans discuter? Vous obéissiez sans restriction quand il allait bien. Quand il allait bien, il ne demandait pas de faire ce genre de choses. Mais c'est merveilleux, il a peut-être aussi changé de cœur. Écoutez, Nora, si vous voulez nous aider, faites ce que mon mari vous demande, voulez-vous? Oui, Madame Chase. Évidemment. Qu'y a-t-il, Mademoiselle Prescott? Oh, je dois absolument le voir, c'est urgent. Il se repose. C'est important. Monsieur Chase, c'est moi, Nora. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voulez vraiment que je vende vos actions de Brooke Dewhurst? Mais il vous a fallu deux mois pour obtenir le contrôle de cette compagnie. Pourquoi est-ce que vous changez d'avis après tous ces efforts? Mademoiselle Prescott, son visage et ses lèvres ont été affreusement brûlés. Parler pourrait contrarier sa guérison, il resterait défiguré pour la vie entière. Vous ne voulez pas réfléchir un peu, Monsieur Chase? Vous allez perdre 70 000 livres au moins avec ça. Vendez, Nora. Vendez. Ça suffit, laissez le sol maintenant. Docteur Quintus, vous êtes médecin, vous n'êtes pas président de la compagnie de monsieur. Oh, monsieur Chase, comprenez-vous ce que vous êtes en train de faire? Vendez, Nora. Vendez. Vous voulez recevoir des ordres de qui d'autre? Et maintenant, laissez le sol et faites ce qu'il désire, sinon vous serez renvoyé. Je ne m'intéresse pas à ce genre de transaction, mais à la santé de votre patron, et j'essaie de minimiser ses blessures. Alors vous ne l'ennuierez pas plus longtemps. Cette jeune femme est dangereuse, Monsieur Chase. Beaucoup trop dangereuse. Numéro à Londres, Monsieur Templar, Simon. Oui, c'est 53 Grosvenor Mews.
Allô? Oh, c'est vous, Simon. Oui, lui-même, qui est-ce? Oh, Simon, c'est Nora Prescott. Nora, comment allez-vous? Oh, pas très bien, non, j'ai très peur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis plutôt désemparée, il faut que je vous voie. Écoutez, je crois que je suis en train de me faire la complice d'une sorte de gigantesque fraude. Je ne peux pas aller à la police parce que je n'ai pas de preuves. Oh, est-ce qu'il vous est possible de venir par ici ce soir? Mais bien sûr, où et quand vous voudrez. Ce soir, écoutez, il y a un petit café Hurley qui s'appelle L'Encre, vous le connaissez? Vous pourriez être à 8 heures? Entendu, je vous verrai donc ce soir. Oh, Simon, merci. Je vais déjà mieux maintenant. Au revoir. Que Marvin pourrait me recevoir juste une minute ou deux. Je ne sais pas comment vous le dire plus clairement que je ne l'ai fait. Mais Marvin est un homme très gravement blessé. Il a absolument besoin de repos. Rosemary, il se passe quelque chose dans cette maison. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas encore, mais je ne suis pas le seul à le penser. Nora Prescott vient de téléphoner à Simon Templar. Elle a pris rendez-vous à L'Encre ce soir à 8 heures. Pourquoi faire? Je sais qu'elle veut lui parler. Évidemment, mais à quel propos? À propos de ce qui se passe dans cette maison. On ne peut rien reprocher aux habitants de cette maison, excepté à ceux qui espèrent fermement la mort de Marvin. Il a pensé à chacun d'entre nous en écrivant ses dernières volontés, incluant Nora et vous incluant aussi. Je ne sais pas pourquoi il vend ses actions, mais quelles que soient les raisons qu'il pousse, c'est sa propriété et sa vie, et je ne veux pas qu'on s'oppose à ses ordres. Il me semble que vous l'isolez de tout le monde. Jim, voulez-vous partir, s'il vous plaît? Je ne suis pas disposé à le faire sans comprendre. Qu'est-ce que vous savez sur le docteur Quintus? D'où vient-il? Comment osez-vous? Répondez à ma question. Quintus soigne notre famille depuis maintenant 5 ans. C'est un excellent médecin et en plus un très vieil ami. Rosemary. Oh, bonjour, chérie. Je peux voir papa rien qu'une minute. Oui, chérie. Mais n'essaie pas de le faire parler. Je vous le promets. Entrez. Comment va-t-il? Sensiblement pareil qu'hier. Papa, c'est moi. N'essaie pas de dire quelque chose, mais je suis là. Tu vas aller mieux très vite, n'est-ce pas? Bien sûr, ça ira vite. Est-ce qu'il souffre encore beaucoup? On va pouvoir recommencer à faire des promenades à cheval comme autrefois. Tu verras. Oui, bientôt. Oh, ça suffit, chérie, s'il te plaît. Il ne faut pas qu'il parle. Très bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Whisky Sada, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Prenez-en à vous-même. Merci, monsieur.
Excusez-moi, monsieur, vous ne seriez pas monsieur Simon Templar? Oui, comment le savez-vous? Je pensais bien vous avoir reconnu d'après vos photos, monsieur Templar. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que, par hasard, vous connaissez Marvin Chase? Oh, mais tout le monde dans cette ville connaît Marvin Chase, monsieur. Il n'habite qu'à 2 minutes de cet endroit. Vous savez que ce café lui appartient en toute propriété. Mm-hmm. Excusez-moi, monsieur, vous êtes monsieur Templar? Oui, vous avez un message de mademoiselle Prescott? Oui, monsieur. Elle voudrait vous voir à la cabane du pêcheur. Où est-ce que c'est? Vous sortez par la porte principale, vous prenez à droite, puis vers la rivière et continuez jusqu'au bout du port. Vous verrez cette maison qui a une porte verte. Vous ne pouvez pas la manquer. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Garçon. Oui, monsieur. Est-ce que je peux avoir une chambre pour cette nuit? Monsieur Templar, vous aurez une chambre quand vous voudrez. Croyez que vous ne... Nora. Restez où vous êtes. Qui diable êtes-vous? Jim Chase, je suis le frère de Marvin. Bon, allumez. Nora. Elle est morte. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai suivi. Pourquoi? Eh bien, je savais que Nora devait vous rencontrer. Comment? Je l'ai entendu vous téléphoner ce matin, vous donner rendez-vous à l'Ancre à 8h. Est-ce que vous savez pourquoi elle voulait me voir? Non, je ne sais pas. Mais Nora savait quelque chose d'important. Quoi? Je n'ai pas d'idée, c'est pourquoi je suis venu cette nuit. Je pensais qu'elle allait vous parler et j'espérais bien pouvoir vous entendre. Très bien, arrêtez-vous de trembler, je vous crois. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je retourne à l'Ancre appeler la police. Vous restez ici. Madame Chase, depuis combien de temps mademoiselle Prescott travaillait-elle chez vous? Environ 5 ans. Est-ce que vous saviez qu'elle devait voir monsieur Templar ce soir? Non. Si vous le saviez, je vous l'avais dit. Ah, oui, je suis navrée, j'avais oublié, je le savais. Inspecteur, personne ne pouvait savoir à l'avance que Nora avait déplacé notre rendez-vous au moment où elle arrivait au café. Vous croyez que l'assassin était au café quand mademoiselle Prescott est arrivée? Ou bien il l'attendait dehors. Alors pourquoi ne pas l'avoir tuée tout de suite? Non, je crois qu'il voulait nous tuer ensemble. Il pensait probablement que je ramènerais Nora. Il n'y a que 2 minutes de marche de l'Ancre à la maison. Alors quand elle est partie brusquement, il l'a suivie jusqu'à la cabane. Vous oubliant complètement? Non. Non, s'il surveillait mon arrivée, il savait que nous n'avions pas parlé. Elle n'est restée au café qu'environ 15 secondes. Il l'a donc suivie jusque là-bas et il l'a tuée. Puis il est parti avant que j'arrive. Madame Chase, Nora Prescott voulait me dire quelque chose à propos d'une gigantesque fraude dans cette maison. Vous savez de quoi elle voulait parler? Pas la moindre idée. Alors j'ai peur de devoir être obligée de questionner votre mari. Inspecteur, s'il vous plaît, il est terriblement malade, il ne peut pas parler. Alors je serai très bref. Je suis navré, Madame Chase, j'insiste.
Je suppose que je ne peux pas vous en empêcher. Est-ce que vous avez besoin de moi cette nuit, inspecteur? Non, plus cette nuit, mais j'aurai à vous poser quelques questions demain. Je prends une chambre à l'encre. Je serai donc à votre entière disposition. Merci. Bonne nuit, Rosemary. Bonne nuit. Hélène. À bientôt, Templar. Je vous verrai tout à l'heure. Maintenant, si je pouvais voir votre mari, Madame Chaise. Inspecteur, c'est vraiment nécessaire. Je crois que oui. Hélène, tu devrais te coucher maintenant. Il me serait impossible de dormir. Je vais attendre que vous redescendiez. Très bien, chérie. Monsieur Templar, il faut absolument que je vous parle. Nora avait raison. Il se passe vraiment quelque chose chez nous. Quoi donc? Eh bien, premièrement, le docteur Quintus n'a jamais quitté la chambre de papa avant que tout le monde ne soit couché. Et tous les matins, il est le premier à aller dans sa chambre. Est-ce qu'il couche chez vous? Oui, dans la chambre d'amis, près de celle de papa. J'ai demandé à Rosemary pourquoi, et elle m'a dit que c'était pour éviter qu'on empêche papa de se reposer. Hélène, à quoi est-ce que vous pensez? Je crois que Rosemary et le docteur Quintus sont en train de lui faire quelque chose. Vous pensez que votre belle-mère le drogue? Je ne sais pas, mais il est étrange depuis qu'on l'a ramené à la maison. C'est quand même compréhensible. Il souffre, il est très malade. Je sais. Bien sûr, il a essayé de faire marcher ses affaires. C'est ce qui lui a demandé un gros effort, mais il est différent quand même. Ils lui font certainement quelque chose, et Nora le savait. C'est pour ça qu'elle a été tuée. Hélène, je ne crois pas qu'on puisse parler ici. Pouvez-vous venir demain à 1 heure à l'encre? Nous mangerons ensemble. Oui, avec plaisir. J'espère que je saurai ce qui s'est passé l'autre fois. Ce n'est pas la peine d'attendre, inspecteur. Il est encore sous l'effet des sédatifs. Pourquoi? Parce qu'il souffrait. Et puis parce que la mort de Nora Prescott l'a terriblement frappé, voilà. Très bien, docteur. Excusez-moi de vous avoir dérangé, Madame Chase. Bonne nuit. Bonne nuit, inspecteur. Eh bien, je ne suis pas psychologue, mais agent d'assurance. Vous savez, les rumeurs sur Marvin Chase ne manquent pas dans une ville comme la nôtre. L'impression générale que je peux avoir de lui, c'est qu'il veut actuellement transformer tous ses biens immobiliers en argent liquide, en actions non négociables, surtout depuis quelque temps d'ailleurs. Vous savez pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Il n'y a rien d'irrégulier dans ce qu'il fait. On peut juste dire que c'est inhabituel. Pourquoi? Parce qu'un homme aussi brillant et aussi consciencieux en affaires que Marvin Chase ne bloque jamais toutes ses ventes. Et alors? Ça veut dire que pas plus tard qu'hier, en une seule transaction, il a vendu pour près d'un quart de million de livres d'actions de la Canleval Oil. Généralement, on pratique ce genre de vente en plusieurs temps. Comment? 50 000 par ici, puis 20 000 par là. On fait durer plusieurs jours pour que les prix puissent monter. Au lieu de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Canleval s'est effondré. Les actions ne valaient plus grand-chose le lendemain sur le marché. Alors Chase a beaucoup perdu? Sur certaines seulement, en fait, mais on peut dire que c'est comme s'il avait jeté par la fenêtre à peu près 30 000 livres sterling. Négligemment. Incroyable, n'est-ce pas? Évidemment, si Bertrand Tamblyn avait été là, ça ne se serait pas passé comme ça. Vous connaissiez Tamblyn? Oh oui, très bien. Il ressemblait à quoi? Très brillant, judicieux, régulier. Un vrai fanatique du moindre détail. Chase avait entière confiance. Il la méritait, d'ailleurs. Il arrivait même à le remplacer complètement. Qu'est-ce que vous savez sur le frère? Jim Chase. Pauvre Jim. Personne ne faisait beaucoup attention à ce qu'il pouvait faire. Pourquoi? Il a été en prison pour détournement. Sans l'affaire, alors. Marvin a fait jouer toute son influence. Jim n'en a pris que pour 8 mois, c'est tout. Il a eu de la chance de ne pas en prendre pour 10 ans. Et Simon, pourquoi voulez-vous savoir tout ça? Parce qu'il se prépare quelque chose de pas catholique chez les Chase. Et je me fais fort de trouver le fin mot de l'histoire. De retard. Non. Merci. Comment allez-vous? Un peu nerveuse. Ah, pourquoi? Après tout, c'est quand Nora vous a rencontré que...
Ne vous faites pas de mauvais sang. Ça va passer très vite. Vous avez pu avoir des renseignements? Ah oui, on ne peut vraiment pas dire que j'ai chômé depuis ce matin. Pour faire quoi? J'ai été me livrer à une petite exploration dans la cité. Non pas que l'agent de change de votre père m'ait dit des choses importantes, mais en joignant des informations un peu partout parmi les habitués de la bourse, j'ai appris que votre père est vraiment en train de liquider toutes les actions qu'il possède. Mais pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Dites-moi, Hélène, qu'est-ce que vous savez sur cet accident? Eh bien, papa devait faire de la vitesse, je suppose. Il en faisait d'ailleurs à chaque fois. Encore une chance que l'accident se soit produit devant la propriété du docteur Quintus, sinon... Oh, mais je ne savais pas ça, Hélène. Oui, c'est pour ça qu'on a pu le sauver. Quoi d'autre? Eh bien, il était exactement 11h09, et la voiture... Comment savez-vous l'heure exacte à laquelle c'est arrivé? Mais c'est l'heure qu'indiquait la montre de la voiture. Les montres de voiture ne sont pas toujours dignes de confiance, vous savez. La nôtre l'était. Papa est terriblement exigeant dans ce domaine. Il sait exactement combien de temps il lui faut pour aller à Londres, et il n'est jamais en retard pour le travail. Devant la porte de Quintus... C'est très important. Je ne sais pas encore, mais c'est une heureuse coïncidence. Et où est-ce qu'il habite? Cole Cottage, c'est pas loin. Ah, je crois qu'on devrait commander. Vous avez choisi? Dites, monsieur... Est-ce que cette route mène à la maison du docteur Quintus? Oui, continuez tout droit, c'est juste au bas de la côte. Vous ne pouvez pas la manquer. Vous ne le trouverez pas chez lui. Il est actuellement chez Monsieur Marvin Chase. Ah, comment le savez-vous? Oh, tout le monde me tient au courant de ce qui se passe dans les environs. Est-ce que vous savez quelque chose sur l'accident? J'ai vu Monsieur Chase passer comme un bolide quelques secondes avant qu'il se soit produit. Il était pile 11 heures. Il allait au moins deux fois plus vite que la vitesse maximum permise. Il était sûrement plus que 11 heures, voyons. Aucun doute. Comment pouvez-vous en être sûr? La levée de cette boîte doit se faire exactement à 11 heures et à 3 heures, monsieur. J'ai jamais eu la moindre seconde de retard en 20 ans de service. L'accident s'est produit, d'après la police, à 11h09. Qui leur a dit? La montre de la voiture avait été bloquée. Elle indiquait 11h09. Il ne marchait plus. Mais supposons que la montre marquait l'heure juste, alors nous sommes devant une énigme peu ordinaire. Quoi? Un problème. Comment M. Chase a-t-il pu mettre 9 minutes pour parcourir la distance de cette boîte postale au lieu de l'accident? C'est impossible. Très juste. Eh bien, merci quand même. Oui, c'est ça. Un avion pour aller à Buenos Aires pour samedi matin. 3 places. Monsieur et Madame Marvin Chase et le docteur Howard Quintus. Oui, c'est bien ça, Quintus. J'enverrai quelqu'un prendre les billets demain à la première heure. Merci, au revoir. Chérie, ne reste pas près de la fenêtre, on pourrait t'apercevoir. Je l'emmène dès demain à Buenos Aires pour la fin de sa convalescence. C'est plutôt un long voyage pour une convalescence, n'est-ce pas? Écoutez, Jim, vous avez eu ce que vous vouliez. Marvin va abandonner votre compagnie, donc votre travail est sauvé. Et maintenant, vous voulez que je vous laisse seul? Exactement. Désolé. Vous espérez m'écarter de mon frère et je crois savoir pourquoi. Si vous ne quittez pas cette maison, je serai obligée d'appeler la police pour vous renvoyer d'ici. Ma chère amie, je partirai avec plaisir après avoir eu une conversation avec mon frère. Seul à seul. Ah! Des visiteurs. Vous êtes juste à l'heure, Simon. Et où sont-ils tous passés? Rosemary et oncle Jim dans le salon et le docteur Quintus est évidemment avec papa. Les domestiques? Cook et Thompson sont à la cuisine. À propos, Thompson est digne de confiance? Absolument. Vous savez votre rôle? Je crois que oui. Oh, ça va, Thompson? Très bien, mademoiselle. Bonsoir. Templar. Comment êtes-vous entré ici? C'est moi qui ai ouvert. Oui, Hélène et moi, nous avons préparé un petit jeu qui se résume essentiellement à répondre à mes questions. Pourquoi tu fais cette bêtise?
Je ne sais pas encore. J'ai bien peur qu'elle soit aussi bouleversée que moi. Monsieur Templar, je connais votre réputation. Vous vous mêlez toujours de ce qui ne vous regarde pas. Mais je vous préviens que je ne tolérerai pas que vous interveniez dans mes affaires. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette Madame, maison. Madame, j'ai tous les droits. Une amie, Mademoiselle Nora Prescott, est morte parce qu'elle avait réclamé mon aide. J'ai juré de découvrir qui est l'assassin et pourquoi. C'est un problème pour la police. Madame Chase, il est bien évident qu'une fraude est en train de se commettre dans cette maison et je compte bien la découvrir. Ah, très bien. Si vous m'interrompez encore une fois, je vous jette dehors. Et maintenant, asseyez-vous. Hélène, combien de temps fallait-il pour faire le trajet de la boîte postale à l'endroit de l'accident? Une trentaine de secondes. Vous êtes d'accord avec elle, Madame Chase? Je présume que vous l'êtes. C'est en effet un très élémentaire problème de mathématiques. Maintenant, Hélène, pourquoi est-ce que votre père, quand il souffrait de ses brûlures, n'a jamais été transporté à l'hôpital? Je ne sais pas. C'est à la demande de mon mari, monsieur. Oh. Vous voulez dire qu'un homme qui vient d'avoir un accident et qui souffre de brûlures du troisième degré au visage et aux mains vous a instamment prié de ne pas le laisser emmener se faire soigner à l'hôpital? Il l'a fait. Pourquoi? Ça fait aussi partie de la fraude. Il n'y a aucune fraude, monsieur Templar. Et je Madame vous prie... Madame Chase, je n'ai pas encore tout à fait fini. Hélène, deux personnes sont mortes maintenant. Nora Prescott et Bertrand Tamblyn. Savez-vous ce qu'ils avaient en commun? Les deux travaillaient pour mon père. Ils étaient donc bien placés pour recueillir ses confidences? Oui. Vous reconnaissez alors que Tamblyn et Nora en savaient plus sur la marche des affaires de votre père que n'importe qui d'autre au monde, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Je ne peux pas tolérer cet interrogatoire. Madame Chase, je n'ai encore jamais frappé une femme de ma vie, mais il faut un commencement à tout, n'est-ce pas? Maintenant, asseyez-vous. Hélène, je crois que votre oncle Jim a fait de la prison. Oui. Je n'ai jamais tenté de le cacher. Je vous ai dit de ne pas m'interrompre. Pourquoi? Détournement de différentes choses. En d'autres mots, pour fraude. Oui. Je vous permets de continuer si vous voulez. Moi, j'en ai assez. Et moi aussi. Il peut partir, vous non. Madame Chase, nous n'avons pas tout à fait fini notre petit jeu, je crois. Je voudrais vous poser encore une ou deux questions. De quoi Tamblyn est-il mort? Est-ce que c'était vraiment un accident? Mais bien sûr que c'était un accident. Un accident prémédité? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Le contrôle de la voiture leur a échappé et elle s'est écrasée. Bon, je veux bien accepter l'hypothèse de l'accident, d'accord. Mais Nora Prescott est morte. C'est vous qui l'avez tuée? Vous plaisantez, sans doute. Vous saviez qu'elle devait me voir? Tout comme Jim. Vous aviez quelque chose à cacher. Pas lui. Vous nous avez suivis jusqu'à l'ancre, puis sur le port. Est-ce que c'est vous qui l'avez frappé? Je ne m'abaisserai pas à répondre à cette question. Ah! Est-ce qu'il y a un escalier de service? Oh, oui, monsieur. Surveillez-le. Vous restez ici. Vous n'avez rien? J'ai entendu frapper, alors je suis sorti et j'ai reçu un coup. Non, il est mort. Vous avez vu qui c'était? C'était un homme. Il a dû être obligé de se réfugier dans cette chambre. Monsieur Chase, personne n'est passé par ici? Il a sauté par la fenêtre, c'est ce que vous voulez me dire? Par la fenêtre, oui. Hélène, Madame Chase. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Voulez-vous venir toutes les deux par ici? Monsieur Templar, qu'est-il arrivé? Jim a été assassiné. Non. Et le docteur Quintus? Il n'a rien eu. Police de Maidenhead. Ici Simon Templar. Pourrais-je parler à l'inspecteur Welland, s'il vous plaît? N'inquiétez pas. Allô? 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 Qu'est-ce qu'il y a? On a coupé la ligne.
Ne bougez surtout pas d'ici. Vous avez découvert quelque chose? Oui, les fils ont été sectionnés juste sous la chambre de votre père. Est-ce que vous voulez que je téléphone de Langres? Je peux y être dans 2 minutes. Oui, dites à l'inspecteur Welland qu'il y a eu un meurtre et dites que je connais l'assassin. Bien. Hélène. Oui? Attendez-moi à Langres, voulez-vous? Mais pourquoi? Faites ce que je vous dis. Très bien. Ça n'a pas bien marché, n'est-ce pas, Madame Chase? Ah, le grand médecin en personne. Monsieur Templar, je suis désolé si je ne peux pas vous donner les renseignements, mais tout s'est passé si rapidement. Et surtout si inexplicablement. Oui, aussi. Vous avez appelé la police? Je ne peux pas. Et vous savez pourquoi? Monsieur Templar, je n'aime pas votre ton. Si vous avez découvert quelque chose, vous pourriez au moins me prévenir. Madame Chase, voulez-vous appeler Thompson, s'il vous plaît? Le bouton est près de vous. Vous êtes très calme, Madame Chase. Je ne vois pas ce que je pourrais dire. Avant d'être mise en présence de votre avocat, n'est-ce pas? Monsieur Templar, que voulez-vous insinuer en disant ça? La mort de Jim était une stupide erreur due à la malchance, n'est-ce pas? Cela a mis tous vos beaux projets par terre. Oui. Rosemary, ne parlez pas. Quintus, tout est fini, je crois. Il sait tout. Oui, et je sais aussi, docteur Quintus, que vous avez abandonné un malade en pleine opération. C'est un mensonge. Vraiment? Alors pourquoi la faculté de médecine britannique a-t-elle ordonné une enquête pour le mois prochain? J'ai été faussement accusé, je serai sûrement acquitté. Même pour avoir été sous pendant l'opération, il est à peu près certain que l'ordre des médecins vous radiera pour le reste de votre vie. Vous n'aurez plus le droit de pratiquer en Angleterre. Ah oui, docteur Quintus, vous étiez fait pour commander, parce qu'un médecin respectable ne consentirait pas à jouer un tel rôle. Ça le mènerait trop loin. Docteur Quintus, asseyez-vous à côté de Madame Chase. Tout est fini, Madame Chase. Oui, je le sais. Les risques étaient énormes. Et les gains proportionnels. Mais vous aviez déjà beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous vouliez d'autre? Ça n'a plus d'importance maintenant. Une nouvelle vie, peut-être bien. Il y avait peut-être un peu de ça, oui. Tout le monde savait que votre mari conduisait imprudemment, alors vous avez projeté cet accident. Non, c'est Quintus qui l'a fait. Rosemary, vous devenez complètement folle, quelle preuve avance-t-il? Vous avez failli pouvoir vous en sortir. Si Jim Chase n'était pas monté vous voir, il ne vous avait pas entendu parler à votre passé. Ah, Thompson, je dois vous informer que le docteur Quintus et Madame Chase sont accusés de 3 meurtres. Mademoiselle Hélène a été téléphonée à la police, elle ne va plus tarder. Vous savez vous servir de cette chose? J'ai eu quelques fois à m'en servir pendant la guerre, monsieur. S'il vous laisse enfuir, je peux compter sur vous? Oui, monsieur. Voilà une surprise. Vous guérissez rapidement, monsieur Chase. Ce n'est pas la peine de faire vos bagages. Je ne crois pas que vous puissiez vous enfuir. Vous avez perdu, mon vieux. Vous pouviez me tromper jusqu'au bout si vous ne vous étiez pas mis un peu de sang sur vos bandages. Vous avez tué Jim Chase, n'est-ce pas, Tumbling, comme vous avez tué Marvin Chase et Nora Prescott. Enlevez le reste, vous avez perdu. Vous êtes un peu trop sûr de vous, monsieur Templar. Thank you.
Hélène, je suis vraiment désolé. Je savais que ça vous ferait un choc. C'est pourquoi je vous ai demandé d'attendre. Je voulais vous le dire moi-même. Je n'arrive pas à le croire. Papa était si plein de vie. Si terriblement fort. Je vais vous ramener chez vous. Essayez de dormir un peu. Bonne nuit. Bonne nuit. Comment l'a-t-elle pris? Pas très bien, je pense, monsieur. Mais ça passera vite, je lui téléphonerai demain matin. Il faut que je vous remercie, Templar. Vous avez tout fait tout seul. Celui qui a commencé à mettre sur la voie, c'est le postier. Je me demandais où étaient passées les 9 autres minutes. Voilà ce qui est arrivé. Tamblyn a demandé à Chase de lui laisser prendre le volant et Chase s'est arrêté pour changer de place. Alors Tamblyn l'a assommé et il s'est arrangé pour que la voiture prenne feu. Juste en face de la maison de Quintus. Ce qui semble incroyable, c'est que Tamblyn soit revenu en se faisant passer pour Marvin Chase. Bon, il était couvert de pansements, il parlait à voix basse et comme Quintus et Rosemary s'arrangeaient pour que personne ne puisse l'approcher, il avait presque réussi à mettre la main sur toute cette fortune. Quand vous en êtes-vous rendu compte? Quand j'ai réalisé que la seule personne qui n'avait pas d'alibi du tout était notre invisible millionnaire. Bonne nuit, inspecteur. Bonne nuit. Thank you.